Putain, nous sommes présents avec Banjo de la Noémie au départ du quintet de vendredi. Un Banjo qui a très bien réussi lors de son unique tentative sur la petite piste l'année dernière. Ouais, c'est vrai que ça fait partie de ses plus belles courses, voire la plus belle avec un super chrono. Après, il a couru, il a couru, mais c'est vrai que il a du mal à retrouver ce niveau-là. Bon, il n'a pas eu grand-chose durant l'été, comme il tourne, malheureusement, il tourne mal à droite. Il a quand même gagné une course à Grenade-sur-Garonne facilement, voilà. Mais en dernier lieu, à Nantes, sa fin de course, ça m'a pas emballé autre mesure. Il court bien, hein, devant ses trois chevaux qui y vont, mais voilà, pour moi, il n'est pas encore revenu à 100%. Qu'est-ce qu'il pourrait faire qu'il revienne dans les prochaines semaines à 100% le besoin de compétition, de rythme? Surtout les courses à bon rythme, parce qu'il a couru cet été. Moi, je l'ai mené plus comme un entraîneur qu'un pilote, et puis c'est bien beau de courir gentiment, mais quand il faut faire des combats, il manque un petit truc. Donc là, avec une course là vendredi, je le vois plus pour une place qu'autre chose, parce qu'il approche quand même, il est pas mal non plus. Hein. Mais pour moi, il est encore pas 100%. Bon, c'est un cheval qui court encore ferré à son âge. Vous pouvez pas le déferrer ou pas l'alléger en tout cas? Malheureusement, il a 4 pieds blancs et on a déjà eu le mal dans les pieds en état avec des fers. Donc, je pense que je vais pouvoir le déférer des postes bientôt. Mais non, c'est quand même problématique de ce côté-là. Devant, en plus, il a un pied beau, donc à mon avis, ça se fera jamais. Il courra peut-être avec des petits alus tous les jours un jour. Mais bon, là, vendredi, avant de déférer, je veux vraiment qu'il me fasse voir qu'il est revenu au top. Et voilà, à ce moment-là, on enlèvera les godasses. Là, on en fait quoi? On le met dans les 5, a priori, pour les parieurs? Moi, personnellement, je le prendrais pas en base, mais surtout, j'oublierais pas de le mettre en fin de combinaison. Ouais. L'idéal serait de pouvoir le cacher avec Mathieu Mottier. Voilà. Il va falloir un bon parcours parce que j'ai regardé un petit peu. Moi, je pense qu'il y a énormément de chevaux qui tiennent. Pour moi, ça va être une question de parcours.